Bonjour à tous et bienvenue sur Benoît 494 pour ce nouvel épisode de l'ombre de la guerre, en terre du milieu, et toujours avec le même stuff, j'ai pas changé de stuff. Voilà, on en reste là pour le moment, c'est... Et on va aller faire le dernier, voilà, le dernier des... Voilà, donc celui-ci on l'a fait, on n'a pas réussi jusqu'au bout, mais c'est en fait c'est une course contre la montre et du coup il faut le refaire et le refaire et le refaire jusqu'à le réussir. Et j'ai pas trop envie de bourrer ça pendant des plombes et des plombes en épisode. Donc on y est, on est à Aglar, le dernier des points, donc on y va. Alors après peut-être que pour finir à 100% il faut tous les faire correctement et tout, mais... C'est un let's play et je n'ai pas l'intention de finir le jeu à 100%. À cette époque, nos victoires étaient nombreuses. Le Mordor était à notre portée. Donc il faut faire quoi? Triompher de l'orque cible. Voilà, comme ça, ça c'est fait. Maintenant, il nous reste lui. Ça, c'est fait, merci. Mais non, mais... Allez, on y va, on bourre. Ah non, j'ai plus de... Non, un coup c'est trop. Ah, échec de la mission. C'est un fail du Ben. Mon Dieu, par contre ce flou c'est dégueulasse, c'est atroce. Ok, bon, déjà, hop. On s'occupe de lui. Ensuite, là-bas. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Voilà. Quoi, échec? Ah, je dois pas le tuer? Vous devez effectuer brutalisation furtive sur cette cible. Ah, d'accord. Ah, mais ouais, mais non, mais... J'avais pas lu. Oh, ce double fail. La gloire, Aglar. À cette époque, nos victoires étaient nombreuses. Le Mordor était à notre portée. Non, non, mais non, mais Ben, mais non, mais surtout pas, mais surtout pas, mais surtout pas. C'est bon, ils ne t'ont pas repéré.
Non, mais non, mais non, mais non, mais non. Oh, mais comment je fais n'importe quoi? Mais c'est critique, là. C'est critique. Ok, bon. Par contre, j'ai réussi à quand même tous les buter, donc ça, c'est bon. Hop là. Et lui, donc, une élimination brutale sur ce monsieur. Ouais, seulement... il me spot l'autre en dessous, quoi. Putain, mais c'est une catastrophe, ce jeu, là-dessus, quoi. Ah, voilà. Non! Mais non! Mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Putain, mais je l'avais bien ciblé pourtant! Mais... tu me la prends cette brutalisation, oui? Ah putain! Ah, ok. Ouais. Eh bah celui-là, on l'aura qu'en une fois, hein, parce que... j'ai fini par nous si je veux l'avoir plus, il va falloir que je tourne pendant des plombes, donc... le véritable danger. On va en rester le là. De Sauron. À présent, voilà, donc logiquement... mon arme pour brûler les... voilà, quête effectuée. À 95%, il m'en reste un. Déconne. Oh, du mordant. Déconne. Le surprise, quoi. Celui que t'attendais pas. Voilà. Du loot, du loot. Ouais, non, j'en ai pas besoin. Le truc. Putain, il y a un truc. Bonjour. La vieille perte de concentration. Ah. Ok. Bon, alors. Le dernier. Là-bas. On va y aller, hein. Oui, je suis à zéro de concentration. C'est quoi ça? Ah mais non, mais ça c'est une confrontation. Mais c'était pas ça du tout que je cherchais. Voilà, c'était ça. Ancien chef de guerre, mange-peur. Le mange-peur. Attirer le mange-peur en effrayant des orques puis dominez-le. Ok, on va essayer. Je suis parti en guerre. Pareil, il y a encore un typiquement que je vais pas faire chef de guerre sous ma coupe. Sur lequel je vais pas chercher le 100%. Donc il faut que je fasse quoi? Même les plus braves frémissent. Brutaliser des orques, terrifier 15 orques.
effrayé. Là, ça commence à m'énerver. Ok, il n'y a personne ici. Hop, on va se récupérer quelques flèches et se trouver des mecs à brutaliser. Typiquement, c'est ce qu'on cherche. Il faut qu'on fasse quoi? Terrifier des orques. Ok, des orques. Il y en a par là. Non? Plus loin là-bas. Mais... Dis donc, je l'ai placé avant qui contre. Non, il n'y en avait pas d'autres par là. Non, bon, c'est que ça doit être par là. Coucou. Il y a quelqu'un. Il est arrivé. Niveau quoi? Vulnérable à la furtivité. Dégâts par attaque à distance. Yeah.
vraiment de la trempe d'un cauchemar. Mais j'ai vu des horreurs bien plus terribles. On le trash talk à deux balles. Je me nourris des petites peurs. Et je deviens... Et ça, ça fait peur aux enfants de la maternelle, non? Hein, c'est ça? Hop! La petite tentative de meurtre, assassinat et tout ce que tu veux. Hop, quelques tirs alphiques. Oh! Les gardes du corps. Ah putain, faut que je m'occupe de ces gardes du corps en premier en plus. Putain, chouette. Et ces gardes du corps, ils veulent quoi au juste? Snargog. Nourriture pour bêtes. Dégâts par attaque à distance, dégâts par attaque furtive. Ok. Voilà. Rejoins l'armée de la lumière. Je ferai tout ce que tu me demandes. Et tu restes et tu te bats. T'imagines que c'est à moi de te protéger maintenant. Voilà, regarde ton larbin, devient le mien. Je suis ton seigneur. Ah, je tuerai tes ennemis. Voilà, tu restes et tu te bats. Mais t'arrêtes avec ça? Et toi, tu crèves là? Voilà, rends-toi. Allez, hop, c'est fait. Cool, il aurait fallu que je les tue, les mecs, mais du coup, ils sont vivants, et du coup, j'aurais pas le dernier bonus. Mais c'est pas grave, on s'en fout. C'était plus rapide comme ça, hein. Parce que pour peu qu'il y en ait un, deux, qui me fasse le coup du... Oui, vous avez réussi, donc l'émission des 1. En récompense, vous avez reçu la rune du Seigneur de Lumière. B, pour voir votre inventaire. La rune du Seigneur de Lumière. Oh! Rune du Seigneur de Lumière. Concentration rechargée de 12 par élimination. Courroux rechargée de 0,9 en tuant des ennemis gelés.
Ouais, il est pas mal. 179 de concentration. Pas mal, il est pas mal, hein. C'est cool, on a gagné la rune de lumière. Pour dominer les autres orques, mais la peur a ses limites. Parfois, des manipulations plus subtiles sont nécessaires. Il y a du grog quelque part, j'avais l'impression qu'ils étaient en train de trinquer les mecs. Mais non. Mais non, mais non. Bah si, ils ont l'air d'être en train de picoler, mais il n'y a pas de grog. C'est étonnant. D'habitude, ils picolent autour des tonneaux de grog, là. Ou alors je l'ai peut-être explosé avant et du coup ils sont buggés. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on a dans le coin? Et en fait, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Serait plus juste à dire. Donc, eh ben, voilà quoi. Il nous reste plus que... C'est quoi ça? Ouais, les fosses de combat, d'accord, mais ça, j'ai pas d'or cassé gonflé. Il va falloir que je farme pendant des heures et ça m'intéresse pas. Donc on va s'en foutre un peu de ça, tant pis. Si d'ici à la fin du let's play, j'ai des mecs assez costauds pour aller faire les trucs de champion, on le fera, mais sinon... Sinon c'est mort et sinon il reste quoi? La flamme à Cérégost. La piste de Helm Marteau, main marteau a mené Eltariel jusqu'aux pics enneigés de Cérégost. Rejoignez-la et triomphez du Nazgûl. Et ben c'est ce qu'on fera dans le prochain épisode. Voilà. Parce que pour le moment, je dois bien avouer que... J'ai pas des masses envie de faire du... Du farm à outrance en ce moment. Donc du coup, je pense qu'on va aller s'occuper de ça dans le prochain épisode. Et puis que ça sera très bien. Voilà, donc on va s'y téléporter sagement. Et puis on va s'arrêter là, je pense, aujourd'hui, au moins pour cet épisode. Et très probablement pour le stream. Je referai peut-être un peu ce soir, je sais pas du tout. Je sais pas du tout, ce soir vers 20h, 21h. À moins que j'arrive à choper les polos. Ça pourrait être sympa. Faire un truc. J'ai vu qu'il y avait eu des nouveaux braquages sur Payday, plein qu'on n'a pas essayé, et qu'il faudrait qu'on essaye. Et... Bon, on va mourir comme des caca, mais... Ça peut être fun. Ça peut être fun. Ou sinon faire un zombie trilogie ou un truc comme ça. Des jeux où je suis pas forcément très très bon, mais je m'amuse bien avec mes potes, donc c'est cool quoi. Bonjour. Excuse-moi. Ah, je peux pas le tuer si. C'est un méga. Quoi? Quoi? T'es pas content? T'es qui toi? L'Uruk qui m'a fait ça l'a regretté 5 secondes après. Mort déjoué. C'est à peu près le temps. Et je peux te recruter? Dis, laisse-moi te recruter. Dis. Laisse-moi te recruter. Parce que là en fait, c'était une mauvaise idée là, ce que t'as fait de venir comme ça ici. Parce que tu sais que... T'es sur mon territoire. Et que tous mes gars vont se mettre après ta peau. Et que j'ai juste à attendre qu'ils te défoncent. Alors, vulnérable à la furtivité. Dégâts par le feu, ok. Ah, il a la volonté de faire aussi, lui. Donc tu vas être obligé de mourir, mec. C'est très con, mais tu vas mourir. Alors, vous arrivez à lui faire un peu de mal, là, ou il faut que je m'en mêle? Je vais te briser les os. Non, mais tu peux essayer, par contre, si tu veux. Restez loin du feu.
Non mais non mais non mais... On va bien rire. Ça pique, hein. Qu'est-ce qui se passe? What is this bug? D'accord. J'ai pas vraiment compris ce qui s'était passé là, mais... Il y a un de mes gars qui a tué un autre de mes gars. Voilà. Et tu sais quoi? Voilà! Madame Mary est trop bien pour être souillée par ton sang. Non mais... C'est vrai quoi? C'est quoi ces mecs qui viennent foutre le bordel dans ma forteresse quoi? Le mec... Non mais le mec c'est une honte quoi! Du coup j'en ai fait quoi? Je l'ai rabaissé, donc il est où? Il est où, c'est lui? Ou c'est lui? Oui, parce que tous les autres c'est Mélarbin, donc ça peut être que lui. Ou c'était lui? Je sais plus. C'était peut-être lui. Hein. Je m'en rappelle déjà plus en fait. Je me fous tellement de leur nom, mec. J'ai quand même des mecs de niveau 42 ici. Hein. Et il est assez costaud, hein. Il est assez costaud, le mec. Oh, et il est de quelle tribu, lui? La tribu de terreur. Asgard. D'accord, ça rend un style un peu plus... Ok. Et sinon, j'ai quoi d'autre? 38... ou 43. La tribu massacre. Et lui, il est de la tribu terreur. Et il vaut quoi, lui, en matière de stats? Ouais, d'accord. Terreur de malédiction. Inflammable. Ouais, donc tant qu'il n'aura pas pris du niveau... Ah, quand même, attribut épique, gardien du poison. Réduit tous les dégâts de poison subis par ses alliés et lui-même. Tueur de bête. Charge furieuse, quand même. Hein. Et il est à l'épreuve des bêtes, en plus. Quand même. On pourrait le mettre pour voir. En plus, comme ça, on va voir ce que donne la... Avec cette gueule-là. Comment ça? Ah non, il faut qu'il ait buté d'abord ce gars-là pour que je puisse... Bon, bah... D'accord. Oui, mais non, en fait. On le fera une prochaine fois. On va s'arrêter là, l'épisode est déjà dépassé. Voilà, donc eh bien, on va s'arrêter là, vous connaissez le refrain. N'hésitez pas à liker, à partager les vidéos, ça aide la chaîne à se faire connaître. N'hésitez pas non plus à me laisser vos petits conseils et commentaires, c'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait. Moi je vous fais des gros bisous, et je vous retrouve dès demain pour la suite de nos aventures. Allez, à demain.